Salut tout le monde. Ouais, t'es obligé de refaire. Okay. Alors salut tout le monde les gens. Non, c'est pas toi. D'accord. Ah, salut tout le monde les gens. Ça va, comment ça va toi? Je vais bien et toi? Ouais. On est où? On est au Paname. Regarde comme c'est beau, il y a des filles dans le début du Paname. Ouais, c'est un panneau quoi. Ouais, Paname dessus, on est à Paris. Merci beaucoup le Paname, ça fait. Et je suis venu aussi déjà. Pas pour jouer. Ah, dommage. Je joue pas, moi je suis pas comique. Pas encore. Monte pas du tout. C'est vrai. T'as loupé. Ouais. Cher. Non. Moi tu me dis cher. Ah, moi tu me dis cher. Aïe. Bah oui. Moi tu me dis cher. Pas de cher avec moi. T'es avec moi, tu sais que faut que ce soit nickel. Voilà. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui s'appelle Komojo. Non mais on a des invités aujourd'hui. C'est lesquels? Parce que c'est des mecs marrons. Ils sont très très bons. On accueille le premier. Il s'appelle Farid Chamek. Oh, je connais Farid. Comment ça va Farid? Ça va très bien toi? Ça va, écoute. Et vous? Nous ça va, mais c'est surtout l'actu. Moi j'attends la réouverture pour jouer, normalement mon spectacle au Comedy Club en septembre. Je l'ai vu, il est monstrueux parce que Farid, vous l'avez vu en première partie. Ah oui, t'es venu. Mais oui, quand même. T'es venu. Vous l'avez vu en première partie de Jamel, ouais, c'est ça ouais. On t'a vu sur VTEP aussi. Ouais, première partie de Jamel. Oh putain. Oh, c'est cassé. Attends, redis Jamel. Jamel. Oh merde, encore. C'est pas possible ça. C'est pas cassé, hein, c'est juste déboîté. On a qu'un deuxième invité. Oui. Alors le deuxième invité, vous avez pu l'apercevoir dans un soda. Un soda, ouais. Un kebabier, tu sais. Oui. C'est John et les John. John. Salut. Ça va quoi? Ça va Pascal? Cher. Je te casse le. Je m'en bats les couilles, moi. Ça va, mon Dieu. Je vais vraiment lui casser le jeu. Comment ça va, mon John? Mais ça va, super. Mais ils sont grands, les mecs, en plus. Ouais. C'est quoi ça? Non, c'est toi qui es petit, mais parce qu'il n'y a pas de. Oh non, lui, il est là pour juste mettre des coups. On parle de mon actu, là, c'est ça? Bah oui. J'ai pris du poids et je me laisse pousser la barbe. Je prépare un rôle. Ouais, c'est le rôle d'un rabat obèse. Et. Quoi? C'est pas bien de se moquer. Pourquoi tu sors le ventre? Non, il est rentré là. Je peux te garantir que quand je lui mets un coup, alors, ça rebondit. Ça, c'est très méchant parce que là, il est rentré. Là, il est en position ouais. Rentrale. Sur le pitch, on est sur un rabbin obèse. C'est tout. Et c'est tout. Ouais, mais je suis en train d'écrire le scénario. Pour l'instant, je me suis regardé dans le miroir, ça m'a donné une idée de pitch de base. Et je vais essayer de développer ça un peu plus. On va faire deux équipes, 2 vs 2. Ouais, putain. Je sais pas comment on va faire pour les équipes. On peut choisir. Bah, tiens, rien, 2 et 2, voilà, ça y est. Ouais. Les copains, on va jouer à Komojo. Alors, le Shonogo, on va vous expliquer les règles du Mokodo. Qu'est-ce que c'est le Tokomo? En 45 secondes, il va falloir faire deviner en parlant le maximum de mots, okay. Ici, ou d'expressions. Après, il va y avoir une deuxième étape, ça sera en minimum. Sans citer les mots. Et après, qui veut commencer, les gars? Quelle équipe? Vous l'honneur, vous l'honneur. Allez, je vais faire les stand-upers d'aujourd'hui. Et là, le gars me dit non. Tu pioches donc d'abord une contrainte, ok, et okay. Ensuite il faut que tu fasses deviner le maximum de mots. C'est un instrument qui servait dans les temps préhistoriques pour chasser, hein. Un fusil, un harpon. Non, les temps préhistoriques. Hein? Les temps préhistoriques, les hommes préhistoriques chassaient le mammouth de cette manière. À l'inspiration. Ils utilisaient un instrument avec une corde. Il a un bâton. Une lance. Une lance. Non. Une corde. Un as. Un taillé. Je peux pas faire de gestes. Une catapulte. Mais non. Tu prends un bâton, tu le tailles. Là tu prends une corde attachée à un autre bout de bâton. Tu le tends et tu tires. Un arc. Une flèche. Une flèche. Donc là c'est nous. Non. Bah non, faut même pas. Putain, j'en peux plus, je l'ai dessus. Mais oui, mais tu l'aides là quand même. Voilà, alors ma contrainte c'est de parler avec ma voix la plus aiguë. Et c'était tirer. Ah donc il l'a même pas en fait. Non, même pas. Vous êtes les devineurs les plus nuls que je connaisse. Un de vous deux, les copains. Joao, Joao, tout pour de Joao. Alors je pioche ma contrainte. Ok, énorme. Chaque fois, à chaque année, quand on prend un beau gâteau, anniversaire, l'année brillante. On allume et puis on va pour faire un vœu. Juste avant ce vœu, on va souffler les bougies. On va souffler les bougies. Oh, dans le sud, qu'est-ce qu'on fait à l'heure de l'apéro avec des boules? Ah bah on joue. À quoi on joue? À la pétanque. On joue à la pétanque et c'est bon. Ah, quel est l'hymne national? Les Français, la France, de la Marseillaise. Donc quelle est l'action de le faire? La chanter la Marseillaise. Oh, 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 3. Oh, c'est bon, okay, c'est sifflé. Oh putain, c'est énorme. Pop, 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 3. Alors c'est, tu sais, c'est un manège en fait. C'est un manège. Quand tu vas au parc Astérix, il y a plein de trucs qui vont super haut. Comment ça s'appelle? Les montagnes russes. Oui, super, mon Farid. Alors ensuite, là, quand tu vas dans le désert, quand tu vas au Maroc, tu vas faire, tu sais, un animal avec deux bosses, tu sais. Un chameau. Oui. Et qu'est-ce que tu fais quand tu vas dans le désert? Tu montes sur le chameau. Oui, et tu fais un tour, ça s'appelle une balade en chameau. Oui. Super, ça. C'est un sport. À boxe. Fait, c'est la ouais, boxe. Ouais, mais avec les pattes. Les pattes, tu sais, ça vient des pattes d'ours. Non, donc le sport, c'est t'as le premier mot et le deuxième, c'est
Le deuxième, c'est un sport où ils, donnent, avec, ils ont un truc sur la tête et il faut. Mais c'est fini, la boxe thaïlandaise. Il a dit, c'était fini. T'es rigolo quoi. De toute façon, eh, première manche, on a fait 3, première manche, ils ont fait 0. Ouais, voilà. Donc on a 3 points d'avance avec une manche. Bien joué, mon Paris, voilà. Bravo. Oh, je suis dans mon domaine de ouf. C'est vrai. Je te jure. 3, 2, 1, go. Alors, tu vas sur un ring et tu portes des gants. Faire de la boxe. Ouais, presque, dans un pays lointain. La boxe thaïlandaise. Ouais, faire la boxe thaïlandaise. Voilà, mais c'est ce qu'il avait. Ouais, c'est pas grave. Je suis assis sur un banc et j'ai un animal à 4 pattes. Tu te branles, un animal, une vache. Oui, je suis une meuf, qu'est-ce que je fais tous les matins? Je retire les... Des bas. Non, les quoi? Des vêtements. Non, j'en ai partout. De la crasse. Non, tu vas avoir les jambes lisses, je dois faire quoi? Tu dois t'épiler. Ah, merci. C'est bon, on l'a eu. Des maracas. Oui. Boire un coup cul sec. Ouvre une canette de coca. Boire une canette. Gobelin flanc. Je veux pas faire de bruit. Danser en boîte de nuit, aller en boîte, péter. La danse des canards. Non, mais là c'est pas bon. Il fait con. Ouais, attends, con il est pas accepté, je suis désolé, il a parlé. Ski. Faire la vague. Hop là, c'est terminé. Patinage artistique. Ouais. Vous avez que 2 points, les gars. Il a fait coin. Et le pied de gobage, un peu. Ouais, mais ça marche pas dans ce cas. C'est du mime. 5-6. Je devais faire des mimes en posant ma main sur la table. Ah putain, c'est bon ça. Ça commence. Il doit imiter un gros rabbin. Ah merde. J'ai rien à faire du coup. Et ben, avant de lancer le chrono, je suis obligé de faire ma contrainte. 1. Mais c'est parce que t'as fait même... C'est avant. T'as fait la même carte. Ah ouais, non, si, c'est peut-être carte. Non. Moi, c'était 5, pendant tout le truc. 6, 9, et 10 tours. Là, ça rase. Allez, go. Surprise. Un cadeau. Un cadeau surprise. Leur donne pas. Continue. Ok, une boîte. Je fais quoi juste avant? Non, tu ouvres. Ah, même pas. Tu ouvres une boîte. T'as parlé. Tu ouvres une surprise. Putain. Oh, t'es enceinte. Tu te maquilles. Oh là là! Tu laves les vitres! Ah, tu fais une présentation! Tu présentes! La météo! Tu manges une glace! C'est terminé! Ah, oh, dommage! Pas mal! Oh là là. Non, attends, objectivement, la technique, c'était beaucoup plus facile! Ah oui, c'est le hasard! Ouais, c'est le hasard! Je te préviens, moi je lâche tout de suite, hein. Dès que ça commence à être nul, je passe dans l'autre équipe! Moi je suis avec Pascal! Je vais faire deviner tout seul! C'est parti! Okay. Canette, boîte de conserve. Oui. Une corde à sauter. Oui. Mots croisés. Morpion. Gratter un jeu. Gagner à la française des jeux. Un loto, un morpion. Gratter un banco. Gratter un titre. Gagner à la loterie. Oui. Souffler des bougies pour son anniversaire. 3 secondes. Souffler. 2. 1. Terminé. Ouais, c'était souhaiter son anniversaire. Ah, c'est pas loin. Attends, on est à combien de points là? 11. Nous on a 11. Il fallait faire de côté. Remontada ou pas remontada? Remontada, on est là, on est là. T'es prêt? Monter à la corde. Presque. Gollum. Descendre en rappel. Escalader avec un... Escalader comme un tyrannosaure par contre, parce que t'es vraiment avec des petits bras là. C'est bizarre ça. Pourquoi l'escalader comme ça? Faire du cheval. Monter à cheval. Non, mime, attention, pas trop. Escalader sur le cheval. Faire l'équitation. Faire l'équitation, équitationner. Ah, du rodéo. Oui. Ouais. 15 secondes. Ah, c'est avec les bras collés, c'est pour ça que ça. Manger une sucrerie. Manger un gâteau. Manger une tablette de chocolat. Manger dans Jurassic Park. Manger un sandwich. J'ai les coudes collés. Donc ça fait 13-8. Et là, il faut que tu fasses dessine avec le tableau. Oh non. Tu veux pas qu'on arrête? Non. Vous abandonnez? Ouais, les gars, on a gagné, les gars. Ouais, là, comme vous voulez. Là, ce que je propose, si tu acceptes la défaite, je romps le jeûne du ramadan. Ah. C'est bon? Excusez-moi du terme, c'est une contrainte que je qualifierais de fils de p. Ah ouais. Dessine avec le crayon coincé dans le pli du coude. Waouh! Bon. Franchement, j'aurais préféré le huc. Franchement, je suis plus avec mon huc. Avant de laisser le blanc, vous allez faire 0, les gars. C'est la dernière manche en plus. Ouais, en plus. T'es prêt? Vas-y. Dans le coude! Mais t'es sérieux quoi, toi? Mais il a niqué la contrainte! Qu'est-ce que tu veux? Un point d'interrogation!
On peut l'aider, on peut mettre des JM. Homer Simpson. Fais bouger la planche plutôt. Une. Franchement, si on trouve. Un dauphin. Un éléphant. Un animal. On veut bien t'aider. Je sais pas. Un martien, un martien. T'allèges. Une baleine. Un duel. L'attaque. Une montagne. Un arbre. Un vol. La bombe atomique. Un bateau. Un train. Un iceberg. Un train. Et c'est terminé. Oh. Alors, alors. Je suis. Ceci, ça pointe la souffrance. Alors, ceci est une tentative de raquette. Ok. Attends. Ah, c'est du tennis. Ceci est une balle. Oh putain. Ça, c'est un filet. Oh putain. Voilà. Je croyais que c'était un mec qui se faisait raquette. Ah, moi aussi, tentative de raquette. Je crois que c'est un mec. Attends. Si j'avais eu 15 secondes de plus, j'aurais fait un portrait de Serena Williams. Pascal, est-ce que t'es d'accord pour qu'on leur donne un point pour le franchement, ouais. Merci. Un point pour le délire. Franchement, ouais. Franchement. 13-9. Bien sûr. Je regarde ma contrainte. Je dois encore faire 10 tours sur moi-même. T'es sérieux? Et je dois dessiner après. Vous voulez pas que je prenne une autre parce que la vérité, les 10 tours. Ouais, c'était même pas ça. Comment je vous ai dit, je vais dessiner. Fallait tenir le stylo entre les deux molaires. À côté, je vous ai bien baisé. Ok, dessine en pointillé. Bon, ça va pas être très dur. Ouais, okay. Et ça va être un truc tout facile. Il va trouver un ballon de football. Un cerf. Une boule de bowling. Je vois pas. Mais attends, il dessine pour lui là. Une fusée. Mais non. Si, une fusée. Elon Musk. La lune. Mars. La Terre. On dirait. Moi, je crois que j'ai trouvé. Orbite. Je dirais pas. Une fusée. Je fais le tour de la Terre. 15 secondes. Quand t'as fini, le tu soleil. Dis quoi? Je vais faire une tentative. Atterrissage. Avion. L'homme qui a marché sur la lune. Oh là là. Sur la lune. On était sûr. Et ça compte double parce que c'est pour nous. Qu'est-ce que c'est? On peut pas. Je viens de voir la contrainte que JM va avoir, il y a moyen qu'on se fasse baiser. Attends, on a combien de points d'avance là? 13-8. Il y a même 13-9 parce que vous nous avez donné un point pour le dessin de. Bah franchement, on le retire. Vous avez vu, vous voulez. Non mais il était dégueulasse son dessin de Serena Williams. Vous pouvez pas mettre un replay, mais un retour rapide sur ce qu'il a fait. Hop. Alors, ceci est une tentative de raquette. Ok. Attends. Ah, c'est du tennis. Ceci est une balle. Oh putain. Ça, c'est un filet. De retour après ce retour rapide, vous avez vu que c'était bien dégueulasse. Donc, finalement, après concertation avec mon cher Pascal, nous refusons voilà, de vous donner ce point par la grâce. C'est quoi la contrainte? Je dessine de la main gauche. Et t'es gaucher. Attends. T'es gaucher ou droitier? Je suis droitier. 3, 2, 1, allez. Oh merde. C'est mal parti. Un homme. Ouais. Un homme. Avec la main droite, il est pas doué. Avec un chapeau. Un rabbin obèse. C'est moi. Un homme avec un chapeau. Non, qu'est-ce que c'est? Justement, un homme avec un chapeau qui s'envole. Un homme avec un homme décoiffé. Un homme décoiffé. Allez, un vélo, qui fait du vélo, Vélib. Un homme décoiffé. Un autolib. Un homme, les cheveux au vent. Un homme décoiffé par le cheveu au vent. Un homme décoiffé par le vent. 12. Un homme. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Un homme. 5. Une femme. Frisé. Un homme frisé. Quelle madame? Et c'est perdu. On a gagné. On l'a gagné. Merde, j'ai niqué mon micro, ça va les yank. 13-9, fait toujours. Donc la contrainte, c'est dessiner sans lever le crayon. Regarde. Une maison. Ok. Oh putain, j'ai pas la synchrone. Une entrée. Donne-leur le point, direct. Hein. Une fenêtre de maison. Et on frappe à la porte. Voilà, boum. Oh. Ah bon, par 15 secondes, on est bien. Un Marseillais. Un Marseillais, il a marqué JM, c'est énorme. Écris les réponses. Pas du tout, pas regarde. Regarde, c'est JM de profil. C'est rien à voir. Mais si j'écris. C'est pas, il a pas écrit. Si j'écris. Il a dessiné JM de profil. Regarde, viens JM, viens te mettre à côté. Viens, mets-toi. C'est JM de profil, il n'a pas écrit. C'est fini. On a gagné. Chaussons, parce que c'est le meilleur jeu de toute la France. À chaque fois que j'ai fait un truc avec moi, à chaque fois il perd. Bien on a perdu encore. Non, je suis moi, c'est même pas la partie qui me dégoûte, c'est le sort. Vous avez passé un bon moment, les copains. Un super moment. On a bien rigolé. C'est mortel. C'est mortel. Je sens de l'ironie, non? J'ai adoré cette défaite. Non, c'est le sort. Moi, je reste bloqué sur le sort. T'as kiffé, ouais? C'est énorme. J'adore que je commente. En tout cas, merci les copains. Peut-être qu'on fera une autre vidéo. Alors, on viendra tester des vannes. On fera qui est le meilleur comique. Avec plaisir. Ah ouais, avec plaisir. Ni prendre Farid ni moi pour le coup. Pour le coup. Moi, pas du tout.
Dans le coude, dans le creux du coude. Allez, salut les gars. Ouais. Pour le coup, on fasse le tour. Salut tout le monde, ne change pas là. Les gars, c'est dangereux. On vous met les instants des copains évidemment dans la description. Variant algérien, il arrive en force. Un dernier moment, Farid, pour la vie. Bah écoutez, merci pour l'invite. J'ai kiffé ce jeu, je connaissais pas, c'était super. C'était cool. Franchement, j'ai kiffé. Moi, John, un dernier mot pour la vidéo. Non, je parle pas, là, je suis en apnée là. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner à la chaîne, la petite cloche, des voilà. Et les gars, on finit toujours notre phrase. Et on finit toujours par salut tout le monde les gens, si vous voulez qu'on le fasse ensemble. Allez, 3, 2, 1... Salut tout le monde les gens.